Bonjour à tous. Donc, on va revenir sur Trump Sim Ward 4. Et donc, le DLC est sorti, ça y est. Donc, je l'ai pris. Hein, je vous dis franchement, oui, je l'ai pris. Écoutez, on va continuer les petites intros. On va aller voir un petit peu l'intro, un peu. Pas l'intro, mais l'entraînement. Ce sera le nouveau DLC. Puis, bon, on va continuer un petit peu. Alors, je sais pas si par cas le DLC va avoir réparé les problèmes qu'on rencontre pour les médailles. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Donc, on va voir un petit peu exactement. Ce qu'il y en est de ce petit DLC, il était prometteur hein, pour moi. Je trouvais qu'il était très prometteur. Et on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors, donc vers les trains. Donc normalement, il doit être. Il est là, et voilà, il est ici. Mais alors, par contre, je crois que. Il ne semble pas que je l'ai vu dans la. Tout à l'heure, j'ai regardé, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit dans le truc. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure qu'il est sorti DLC. Donc, on va voir un petit peu. Alors, entraînement. Module entraînement. Alors, il va être tout. Bon, ça va pas réparer le problème des médailles. Ça, c'est. Fin de compte, je ne sais pas. Et si je vais ici, un module d'entraînement, il doit être là. Il est là, mais on ne le trouve pas ici. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Alors, comment il s'appelle? Ouais, non, il n'y est pas celui-là. Eh bien, écoutez, vous savez pas, on va le faire directement d'ici. On va le faire d'ici, comme ça, on sera bon. On va faire l'intro d'ici directement. Bienvenue dans la gare de Preston, le cœur de l'itinéraire Blackpool Branches. Preston, Blackpool et Ormskirk. Localisé sur la West Coast Main Line, entre les gares de London Euston et Glasgow Central, c'est un lien vital pour les voyageurs qui se rendent à Blackpool, une destination de vacances populaire située sur la côte ou dans d'autres endroits du pays. Il semblerait qu'il manque ici une carte d'itinéraire. Allons-y et réglons le problème pendant que nous sommes là. Alors, il n'y a pas moyen de bouger. Alors, on peut tourner en rond, ça tourne en rond, on peut, hein. Et. Oh, je veux avancer, moi. Le repère, il est là-bas. C'est là-bas que je veux aller. Suivez les repères. Je veux bien, mais. Non, mais sans déconner. Ah, mais j'ai acheté un DLC qu'on peut pas se servir, on peut pas jouer avec. Donc le DLC, 35 euros juste pour rester sur place et tourner en rond. Ouais. Ça fait cher le DLC quand même. Hein.
Sans déconner. Oh non, ils ont pas fait ça quand même. Non mais sans déconner. Ah, enfin! Et ils m'ont sorti de prison, ça y est. Ah, bien sûr. Oh, mais... J'ai raté que je l'aurais fait encore plus haut, comme ça on peut pas voir ce qui se passe dessous. Non, non, mais ça aurait été mieux de le faire encore plus haut. Moi, je pense qu'ils l'ont pas fait encore assez haut. Sans déconner, on a les barrières sont plus hautes que nous. Donc, ouais, ça c'est pour les machins, ok. De nombreuses autres tâches vous attendent sur le trajet. Alors pensez à trouver et à remplacer les cartes d'itinéraire manquantes et à déguster le pain d'épices qui fait la réputation d'Ormskirk. Réparez les panneaux cassés, récupérez les sacs de golf et amusez-vous en construisant des châteaux de sable. C'est vrai que on va arrêter un train, hein, c'est vrai que dans la vie, vous arrêtez votre train, vous montez votre château de sable et vous repartez après. Ouais, c'est logique. Ouais. Eh ben, on dit que la SNCF, les trains sont tout le temps en retard, mais alors chez eux, vous partez aujourd'hui pour arriver après-demain, hein, mais pour faire 5 km, hein. Donc si vous voulez arriver à Noël, partez aujourd'hui pour arriver à Noël chez eux, hein, pour être sûr d'être à Noël là-bas, hein. Mais pour 5 km, hein. Donc voilà, c'est... Ah, ce coucou-là, il me semble que je l'avais déjà sur la série X. Ouais, mais il faut que j'aille... suivez les repères. Ah, mais oui. Suivez. Le problème, c'est que je l'ai pas vu, le repère. Il est où, le repère? Alors, on était là-bas pour revenir là. Et re... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça c'est un peu ridicule. Parce que on aurait pu voir à travers. Pourquoi ils ont rempli? Pourquoi ils l'ont rempli ça? C'est ridicule. On aurait pu voir à travers. Bon, ça c'est. C'est ballot. Alors. Asseyez-vous où vous voulez. Ouais. Mais écoute, moi je vais m'asseoir, je sais pas. Je vais m'asseoir là. Allez, hop. Ouais. Notre périple débute à la gare de Preston, qui a ouvert ses portes en 1838. On s'en pensait qu'on Partie de peut la aller dans l'autre West Coast sens. Main Line, allant de Londres à Glasgow, la gare est la plaque tournante de l'itinéraire, qui est un hub important pour les trains qui sillonnent le nord-ouest de l'Angleterre. Elle offre des connexions à partir de destinations comme Colne et Ormskirk et vers des services de grande ligne pour Glasgow et Londres, entre autres. On trouve aussi régulièrement des services allant de Preston à York, mais la plupart des services qui quittent la gare ont pour destination Manchester Une sacrée et gare de triage là quand même, hein. Blackpool comptait jadis 3 gares, Blackpool North, Central et South. Blackpool Central a été fermé en 1964, mais les 2 autres gares existent toujours et vous pouvez les explorer. Jadis connue sous le nom de Blackpool Talbot Road, Blackpool North est désormais le principal terminus de la ville. Lorsque la gare d'origine fut démolie et reconstruite à son emplacement actuel, le nombre de quais a été réduit de 16 à 8. Et lorsque Blackpool Central a fermé ses portes en 1964, Blackpool South, qui portait le nom de Waterloo Road, devint le seul terminus du sud de la ville. Ce train est un élément automoteur mécanique diesel classe 142 de la British Rail, arborant une livrée provinciale bleue. La classe 142, connue sous le surnom de Pacer, a été lancée entre 1985 et 1987, avec 96 unités construites. Les unités ont été conçues pour minimiser les frais de développement et leur design s'inspire de celui des bus routiers. La Pacer n'a pas de bogie et ses essieux sont directement attachés à son châssis, ce qui lui vaut des caractéristiques de roulage bien précises.
On dirait les vieilles Michelin de... En plus de la classe 142, vous pourrez conduire la locomotive diesel BR classe 47 et la locomotive de manœuvre diesel BR classe 08. En même temps, c'est des vieux trains, là. Diverses, aux commandes de différents types de services, comme des trains de voyageurs, de fret et de colis. Mettez le gaz et profitez de cet itinéraire Fancy World traversant de nombreux paysages différents. Vous pouvez conduire jusqu'à la célèbre ville côtière de Blackpool et vous diriger ensuite vers le sud en direction d'Amskirk en traversant une magnifique campagne. À moins que vous ne préfériez emprunter la branche menant à Burnmaze et réservée au transport de fret. Découvrez au passage de nombreux monuments comme la tour de Blackpool, réputée dans le monde entier, la plage Blackpool Pleasure et même l'église de St. Walburge à Preston. Vous pouvez admirer, en direction du sud, le viaduc de Ribble et l'usine d'Ainscorp. Sur le trajet, vous remarquerez aussi des boîtes de signalisation caractéristiques et des gares originales. Bienvenue à Blackpool Branches. Que le plaisir commence. D'accord, on n'a plus de médailles du tout. Donc ça affiche même plus les médailles maintenant. D'accord, ok. Alors c'est même parce que j'ai fait 0 point. Ouais. Ouais, mais d'accord, ok. Hein. C'est de pire en pire. Alors hier, on n'avait plus les médailles. Maintenant, on sait même plus ce qu'on gagne. Bon, d'accord, ok. Et, au lieu de nous mettre des châteaux de sable à faire chercher des trucs sur le bord des voies, arrêtez ces conneries-là. Et faites les choses comme il faut dans le jeu. Passez votre temps à réparer les DLC. Alors, vers les trains, donc, du coup, on va continuer un petit peu. Non. Il est là. Son entraînement. On va continuer un petit peu. On va en refaire un ou deux. Pour compléter un petit peu la vidéo, histoire de dire. On va faire la case 158. Hop, allez, on va se faire la classe 158. On va continuer un peu les introductions et dès qu'on a fini les introductions, après on va en partir un peu dans les scénarios, tout ça. Bienvenue à la session d'entraînement pratique du jour. Une ou deux vidéos dans les scénarios. Express Sprinter. Commençons par le début. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Pourquoi je suis là ? Commençons par un petit tour pour vérifier l'état extérieur. Non, non. D'accord, ok. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, enfin bref. Vérifiez l'avertisseur sonore. S'il est cassé, nous devons... Assurez-vous d'avoir des essuie-glaces.
Non, c'est dans le sens. Attends, je veux juste regarder un truc. Ouais, non, en rouge, faut en le mettre en blanc. Alors, les blancs, ils sont où? Ah là, c'est éteint, c'est pas en blanc. Farrière uniquement. Danger. Farbon de votre jour, voilà. Hein? Réinitialiser le bouton rouge. Lequel bouton rouge? Non, ça c'est pour dételer, c'est pas celui-là. Ok. Bon, si j'ai bien compris, voilà. J'ai pas compris pourquoi. C'est pas grave, on recommence. J'ai pas tout compris là. C'est peut-être parce que j'aime l'arrêt d'urgence. Un coup c'est en montant, un Bienvenue coup à c'est la en session descendant, c'est un d'entraînement peu pratique casse-pied. du jour pour la classe 158 Express Sprinter. Commençons par le début. Commençons par un petit tour pour vérifier l'état extérieur. Vérifiez l'avertisseur sonore. S'il est cassé, nous devrons fermer ces deux huis. Assurez-vous d'avoir des essuie-glaces. Alors là, il y a quand même un truc, hein.
Alors là, je comprends pas ce qui se passe. Ah d'accord, ok. On entend vachement le bruit du moteur. C'est moi qui avais mal compris comment il fallait démarrer cette trepadelle là. Ok, on va sur le siège conducteur. Hop, ici et ici. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, Hop. dirigeons-nous vers le premier quai et exerçons-nous à l'arrêt hangar. Hein? D'accord. Inverseur désactivé, on va le mettre en marche. Vent. Voilà. Les freins relâchés. Lui, du coup, hop, comme ça, voilà. Et là, normalement, on doit pouvoir partir. Je dis bien normalement. Voilà, ça y est, on est parti. La boîte à ragoût. Allez.
Je me suis coincé dans le. Suis chauffeur et passager en même temps. Là, je les ai bien mis blancs. Et pourquoi ils sont revenus rouges? C'est automatique? Dès qu'on s'arrête? Allez, go! Roulez, petit bolide! Loupé. Je suis gouré de touche. Crotte de caniche. Faites-en encore quelques-uns comme ça et vous pourrez vite sortir sur la ligne principale. Voilà. Donc ça c'est ouais.
Alors là, il m'a mis la médaille. Alors, t'as là, il m'a pas voulu me la donner, là, il me la met. Chercher l'erreur. Je crois que là, ils ont pété le jeu complet. Parce qu'un coup, on a les médailles, un coup, on les a pas, un coup, non, mais là, je crois que là, on touche le fond, hein. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin. Hein. Là, je crois qu'on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus loin. Ah ouais, mais par contre, ça ne me l'affiche pas. Ça me dit comme quoi je l'ai fait, ok, mais ça ne me l'affiche pas. Ça ne dit pas quelle médaille j'ai eue, et pourtant j'ai eu la médaille d'or, d'après ce qu'ils disent. Enfin bref. Allez, on va se faire cette petite dernière, puis après on va s'arrêter là. Bienvenue. Nous allons démarrer et déplacer ce train en un clin d'œil. Allons-y. Pour commencer, montons à bord de la locomotive de tête. Vous avez pas d'escabeau? Merci. Ah. Il y a un mec qui doit dormir en permanence dans les trains pour vous aider à monter dedans. Matin. Hop là. Allez. Introduisez la clé principale et réglez l'inverseur sur neutre. Elle est où? Ah, là. Alors sur neutre. Voilà. Appuyez sur le bouton démarrer le moteur et laissez-lui un moment pour se mettre en marche. Maintenant, réglez le frein de train sur Initial. Et si votre frein à main est activé, desserrez-le. Déplaçons-nous et faisons le tour pour continuer la session. Eh ben, il pèse 5 tonnes le machin. Allez, allez, poupère. Sur un excès de vitesse. Mais ce train-là, on l'avait dans le premier train Simward. Et on regardera dans la boutique, il me semble qu'on l'avait déjà celui-là. Mais c'est une autre couleur, je crois qu'il était jaune et noir à l'époque.
Il a du mal à se lancer quand même. Allez. Serrez les freins en approchant de la prochaine destination. Non, on ne peut même plus lire le truc quand on bouge. Les portes des voyageurs peuvent s'ouvrir en appuyant sur ce bouton.
Allez, 1 km 100. Allez, on est bientôt au bout.
Bon travail, vous avez les bases. Maintenant, vous pouvez conduire un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme médaille? Ah, médaille d'or. Hop, alors, menu principal. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce train-là, normalement, on l'avait dans le premier train Simward, le tout premier qui sont sortis. C'était celui-là. Alors, attendez que je le retrouve. C'était celui-là. Ça, c'est casse-pied. C'était Grette quelque chose. Voilà, c'était celui-là. Là, le jaune et noir, c'était celui-là. Et ça, ça faisait partie du tout premier de Train Simward. Je ne sais pas pourquoi ils disent Train Simward 2, non. Il était dans le premier. C'est dans le tout premier. La première fois qu'ils ont sorti, le premier CD qu'ils avaient sorti, il était sur la jaquette, celui-là. Et après, ils ont sorti le 2020. Et après, ils ont sorti le 2. Mais celui-là, il était dans le tout premier. Exactement dans le premier Train Simward. Et il était noir et je crois que c'était... Il avait le GT sur le côté marqué. Sans qu'il y avait un truc comme ça. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Et je crois qu'il était marqué sur le côté. Ouais, voilà, vous voyez, on le voit à peine, mais c'était ça. Donc, voilà. Donc, on continuera à faire un peu nos entraînements. Hein. Et après, on repartira un petit peu sur les DLC, on partira un petit peu sur tout ça. Là. D'ici là, peut-être que je verrai, peut-être pour en prendre d'autres. Mais pour l'instant, je vois pas ce qui vient. S'il y en a un en particulier qui m'intéresse, que je prendrai, qui va avec celui-là. Le DLC que je prendrai me permettra de rouler avec ceux-là aussi, sur la même ligne un peu. Donc c'est faut que je voyais. Bon, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour la suite des entraînements. Donc il doit nous en rester encore un petit peu à faire, hein, mais peut-être pas tant que ça. Ah ouais, il nous en reste encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous en reste 11 encore à faire. Donc voilà, ça va y aller tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!